Je vois plein de gens dire euh, Ouais, je, je prends plus aucun plaisir sur les jeux, j'aime plus le gaming, etc. Blablabla. Moi, je suis sûr d'avoir la bonne théorie sur ça. De, de savoir pourquoi les gens arrêtent le gaming et n'en peuvent plus sans savoir pourquoi. C'est car de base, et je, je vous jure que c'est sûr à 100%. De base, dans le gaming, t'es là, tu c'est entre guillemets un moyen de fuite de la réalité où tu te sens bien, etc. Où tu fais de bonnes rencontres, tu t'éclates, etc. Enfin, t'es bien, tu vois. T'es bien. On, on fait que les trois victoires, on fait pas les six. <laughs> on fait pas les six. Euh... Donc de base, c'est ça. Le, on on s'éclate tous et tout, tout va bien, tout est tranquille. Et à une période, et ben, bah, tout était entre guillemets paisible. Et depuis quelques années. Sur les jeux, bah c'est aussi probablement dû à énormément de youtubeurs et streamers, etc., qui disent des choses, réagissent à des choses, et du coup les personnes petites qui les suivent adoptent plus facilement les choses et font des choses similaires, etc. Bref, euh, c'est le fait. En fait sur les jeux à chaque fois il y a tout le monde qui râle, il y a tout le temps des problèmes entre plusieurs personnes, il y a tout le temps des problèmes intérieurs au jeu avec des bugs etc. En fait les jeux sont devenus un endroit où en fait tu fais que te plaindre aussi, où il y a tout le temps que des problèmes et ça te libère pas autant qu'avant qu en fait tu le sens pas aussi bien qu'avant dessus. Moi c'est ma théorie, voilà c'est ma petite théorie comme ça euh, que, que, je, que je me suis dit. Je me suis fait la réflexion de mon côté euh, ce matin.